Le débat se fait aujourd'hui autour des médias en ligne. Et la première question ou suggestion, que sais-je, c'est avec notre ami Erickson Alciné, qui est journaliste, rédacteur et directeur de l'information à Passion Info Plus. Félicitations, parce que hier, mis en bel texte, Info Plus, hein, sur et tout ce qu'il faut retenir de la visite de William Ruto. William Ruto en Haïti. Kenya. Vas-y. Oui. Ok. Godson, c'était un bel exposé. Mais la question est libre à aller par rapport avec ou faire avantage, inconvénient. Mais quand il y a une question, vous dites, les médias ont contribué, c'est les médias en ligne, ils ont contribué comme si nous renforçons la démocratie dans le pays. Mais quand il y a, comment les médias en ligne ont contribué à renforcer la démocratie réellement pendant que vous parlez de manque de formation journaliste, la majorité des gens qui sont derrière les médias en ligne. Et sujet, là, nous avons commencé à réfléchir sur lui. Moi-même avec Georges et on commence à réfléchir sur le sujet. Il y en a un élément qui est venu, c'est que la problématique sur les médias en ligne, c'est comment freiner les dérives. Et si on regarde dans l'exposé, c'est vrai que nous parlons de en pile d'éléments davantage que les médias en ligne ont gagné. Mais et les points d'inconvénients, c'est des points cruciaux. Je veux dire, si un problème de qui est coté pour bailler une licence de fonctionnement pour un média en ligne, son problème crucial, son inconvénient lié. Donc, dans ce sens, la question, là, c'est que le travail là, qu'a fait là, sous garder le non-sens positif seulement, on a dit que les médias en ligne, là où les médias en ligne ont une pluralité d'opinion, et c'est vrai, ça veut dire que par rapport au fait que les médias qui ont médias, sujet à traiter, c'est pas sujet que Mederson a traité, et par rapport à la concurrence, Mederson est obligé d'aller plus loin pour le traiter de l'autre information que sous même ou était dans le quotidien, ou vient une pluralité, parce que chaque média en ligne, imaginons que si chaque média en ligne fait 5 sujets qui passent de sujets d'actualité qui différent, ça fait 50 et sujets différents qu'on gagne. Donc pluralité a vient fait que, parce que c'est fort que vous produisez du contenu, c'est dans ça que Internet là, on est obligé de produire du contenu. Pluralité a fait que vous renforcez la démocratie dans le sens que tout le monde qui a joué nos médias en ligne, qui est ballon antique, qui écrit pour lui. Oh, permettez-moi, est-ce que pluralité, ça vraiment pluriel, vrai? Entre guillemets, là, nous connaissons que les médias en ligne ont fait même bagarre, les médias traditionnels ont fait. Voilà. Non, mais sauf que. Ou il y a plus de possibilités pour jouer une diversité dans les médias en ligne que les médias traditionnels. Et changement yo fait plus rapide. Par exemple, je dis à nous gagne de médias thématiques, mais je dis à n'importe où prince, il y a très peu d'organes de presse traditionnels qui thématiques. Nous gagne de médias thématiques Haïti climat, nous gagne de médias thématiques tant qu'on enquête action, nous gagne de médias thématiques tant qu'on Aïbo Post qui était spécialisé dans l'enquête. En effet. Ça veut dire que ou gagne possibilité pour jouer en pluralité. Alors ce que dans l'organe traditionnel, yo, jusqu'à présent, tout a fait même bagaille. Donc la preuve, c'est que les nous lever, nous jouons news dans toute radio, sous bande FM, presque. Donc ça, c'est l'élément. Et l'organe pluralité dans l'opinion, l'organe pluralité dans l'idéologie qui a passé, donc nous sommes capables de dire que c'est un élément qui renforce la démocratie. Et j'aime dire là, c'est là nous gardons deux tableaux, nous présentons les tableaux dans la conférence. Là nous gardons deux tableaux, c'est dire, est-ce que les éléments que nous soulever comme des inconvénients, il y a pas plus cruciaux pour développement médias en ligne en Haïti. C'est pas parce que médias en ligne ont bagaille vraiment la fait qui bien dans le sens que l'aider dans bail pluriel information, mais nous d'accord que il y a des éléments qui fondamentaux qui doivent résoudre la question. Voilà, Sémilien Louis-Élus, on va avoir une chance pour rebondir, pour retourner. Sémilien Louis-Élus, journaliste et PDG de Entretien 2000. Allez-y. Voilà, merci pour l'exposé. Hein. Donc, l'exposé, c'est nous-mêmes qui, sous panel-là, nous arrivons à tirer un peu de bagage, de même que internautes et téléspectateurs RTVCO. Alors, tout à l'heure, parler de pluralité, ou parler tout de médias thématiques. Et malheureusement, tout, ou dit qu'il y a un peu de monde qui des pages, ou du moins des médias qui n'est pas vraiment dans le domaine. Mais tout, il y a un monde qui des pages dans le domaine. Nan, tout. Exemple, il y a un monde ou bien un qui t'a déjà plusieurs pages ou du moins plusieurs médias. Moi-même, je consacre l'éditorial. Erickson consacre l'éditorial. Je décide, je dis, je vais avoir trois médias thématiques.
Par exemple, mon grand média parle uniquement de sport. Mon média parle uniquement de vie artistique. Ou du sport. Voilà. Et puis, mon grand média uniquement politique. Est-ce que là, il y a un problème pour moi-même, j'ai trois médias, ça, chaque, j'ai une ligne différente. Est-ce que dans la réalité, on a trois médias avec nous? Non. Non, c'est juste pour dire par exemple, dans les médias traditionnels, là, gagnent les groupes médias. Pour qui ça, dans les médias en ligne, d'une part, qu'il y a un groupe, tout, y a un groupe médias, moi-même seulement, ou bien moi-même avec deux amis ensemble, nous dit, on a bien plusieurs médias qui parlent de plusieurs thématiques, pendant que je respecte l'ligne éditoriale. Ça, c'est une, et puis, par contre, on a tout bon, tous les deux. Et puis, on a essayé, ouais, aspect monétisation médias en ligne. Est-ce que d'après vous-même, ça n'a pas eu une source qui a eu tout inconvénient ça gain, et tout problème dans la question média en ligne? Absolument. Bon, je vais vous sur dernier élément. Ce élément très important que je mis pour me soulever dans le débat. Question monétisation. Et monétisation, vient fait que vous rentrez dans un bagage qui tue l'information, vous rentrez dans le sensationnalisme. Parce que l'on monétise une page et vous devez avoir une information qui vient. Le plus de monde que le rentrer dans le sens, plus cliquer. Et ça, c'est la perversion de l'information. Parce que l'information, hein, tu dois informer que de ce qui est dans l'intérêt public. Et ça qui est dans l'intérêt public, là, c'est éducation. Ça a fait dans l'éducation dans le pays, ça a fait dans le social, ça a fait dans la politique, ça a fait dans le droit, dans la justice, etc. Ça veut dire que l'on rentre dans la page monétisée, ça c'est tout un problématique, ou rentre dans le sensationnalisme, et sensationnalisme par... Vous avez dit un risque pour rentrer dans le sensationnalisme. Ou rentre dans le sensationnalisme. Parce que vous ne pas contenu généralisé. Contenu, fait à un intérêt pour le suivre. Par exemple, on a pour exemple, contenu que Radio-Télévision Caraïbe gagne sur Internet, c'est le contenu en général qui gagne pile monde suivi. Mais le monétiser page là, émission ça n'a pas fait... Marron est pété plafond, il est dérangé. Parce que l'on monétise ces pages-là, tout contenu pour gagner, il faut gagner autant d'audience. C'est une course à l'audience, donc c'est la perversion. Mais de la perversion. Là, ça, c'est le sensationnalisme. Contenu qu'a créé pour gagner une sensation. Avec pour on visait vers la quantité. Justement, son intérêt mercantile, etc. Sur la première question qu'on vous posait, la question du groupe média, même tu as explicité ça tout dans l'exposé. C'est pas la question du groupe média, non. Je dis à nous un problème de qui côté ça définit question fonctionnement média en ligne. Il n'y a pas de problème soit aller dans le ministère de la communication, il y a bon, trois licences de fonctionnement pour trois médias. L'autre, vous consacrez les lignes éditoriales là, mais le ministère de l'information de la communication, il valide ça, vous dit que les lignes éditoriales là. Mais le problème, il y a aujourd'hui, là, c'est problème que non comme Facebook bon possibilité pour créer 3 4 5 X pages ou créer donc bon sens au fond groupe média j'en dis là l'intéressant mais non mauvais sens tout soit faire perversion ou cap fonctionner jongler et ou gain 3 comptes Twitter pour taper monde pour faire des bagarres etc. Ça veut dire que ça nous même nous dit qui est inconvénient jodi a faut gon régulation qui dit qui sacre les médias en ligne, comment ils doivent fonctionner. Par exemple, jusqu'à présent, on décrète sous Konatel qui régit fonctionnement radio. Il y a des choses qui ne sont pas même si il y a des rives, je dis à tous ceux qui disent à la radio. Mais il y a des choses qui ne sont pas dites ici. Il y a des choses qui ne sont pas dites. Et l'émission, ça qu'on a fait, entre autres, ils doivent former les gens, entre autres, ils doivent en vertu pour éduquer les gens. Mais moi, dis-nous que ce n'est pas question que ou pas faire un groupe média, non, il y a des citoyens qui ont plusieurs médias. Et qui jusque là ça marche dans la question média en ligne même Jean Moun gagne tout dans traditionnel mais le problème c'est que dans la question média en ligne là si vous arrivez dans ça moi t'a souhaité et c'est préférable que nous avons une régulation qui fait et puis nous comprendre que les bon monde qui gagne 5 nous comprendre dans qui ça 5 là et l'état d'accord by nous là on autorisation fonctionnement pour 5. Salia Edouard, communicatrice et journaliste. Alors, merci beaucoup, Monsieur Allen. Merci, Monsieur Lebon. Alors, je prends le temps pour me tendre l'intervention. Je suis vraiment satisfaite parce que je me sens moins dans le dossier média en ligne. Pour qui ça? Parce que ici,
par contre facile fier pour me dire entrepreneur dans média en ligne parce que gens yo ouais média en ligne yo ouais tout ça qui est mal et me prend aborder un sujet que ou gétamain c'est sensationnaliste c'est une bagaille qui toujours dérange même dans la presse lorsque mon téléphone nous c'est des bagailles mon attirer attention sur ça mais nous connaissons tout en Haïti niveau de formation mon printemps produit un article qui purement intellectuel ben mounio il va intéresser ensemble avec lui mais nous-mêmes comme journalistes particulièrement ou même qui opinion pour sur ça par rapport à niveau éducation peuple. OK. Donc question information nous un élément fondamental c'est que, d'abord c'est l'intérêt public qui prime. Deuxième élément qui gagne dans question information tout information hein, c'est information car communication tout. Information c'est porter à la connaissance de c'est mettre au parfum c'est et être bien imbu de quelque chose mais communication c'est faire mon ensemble avec vous nous partager même bagaille parce que communication c'est mise en commun information dans certains sens tout li capable de venir communication par exemple quand ou a informé sous on épidémie qui gagne charbon qui gagne dans grandance et ou joignent on vétérinaire qui bord de trois éléments d'information ou travaille sous les fonds textes etc pour la population de la grandance c'est une information mais c'est une communication aussi parce que joignent comment pour le faire pour le sortir dans la situation que l'hier ça ou les concepts du jour au travail ou les l'information utile information utile là c'est plus l'aller dans sens communication tout ça ou informer monde là ça cap intéressant pour nous ça on doit faire comme journaliste surtout jeune journaliste ça son conseil c'est toujours chercher des sujets qui dans l'intérêt des gens dans l'intérêt des gens c'est pas seulement politique là qui dans l'intérêt monde par exemple je dis il y a des possibilités pour faire un article sur les risques de prostate comment prévenir le prostate l'on font un article sur comment prévenir le prostate moun ki rive nan l'âge éventuellement qui te atteint une maladie ça information ça utile li c'est pas nous n'a pas dans sensationnalisme nan totalement information pour moi li plus utile les joine moun pou moun ki concerné là par exemple information qui concernait et résultat baccalauréat information ça une catégorie claire que le concerné et ou même sous ou besoin que information non utile c'est et jeune écolier qui saute dans baccalauréat c'est lui pour l'atteindre pas vienne parler de ça ici et puis comme si le groupe peuple tendel mais vienne parler soit parler ici parler pour c'est exactement jeune écolier que le jeune ça c'est information utile là mais maintenant tendance là c'est tendance c'est ça média en ligne tendance là c'est tendance à aller dans sensationnalisme si page là ou fait article ça qui gagne information utile là il y a 15 personnes qui visitent pendant la journée ou sentir ou presque révoqué parce que l'article n'a pas marché. C'est ça. Si l'on poste sur Facebook ou pas 10 personnes qui partagent, non. Il faut avoir une cible li, voilà. Et l'utile possible. Donc, il faut couper court au sensationnalisme. Voilà. J'ai oublié de vous dire, messieurs, dames, que Agora, en tant que grande place publique de Caraïbes où s'agitent les débats, cette émission est sous-tendue par deux principes. L'iségoria, le droit à la parole, l'égalité des citoyens devant à la parole, et la parésia. La parole est libre. Mais toi, mec, levé là, on qui a tout la parole là. Merci aux débatteurs qui ont posé des questions avant moi. Et leurs questions peuvent nous servir de question de mise en train parce que moi je vais entrer directement dans la sacralité de la chose si vous permettez et maître Goodson et merci à vous aussi pour votre exposé qui m'a permis de comprendre certaines choses notamment des choses sur l'aspect double tranchant des médias et en ligne et à un certain moment j'ai eu peur pendant que vous parliez et notamment quand vous avez évoqué l'aspect, la question de la pluralité de la chose, la question là où les médias en ligne peuvent favoriser la pluralité au niveau des opinions. Pourquoi j'ai eu peur ? Parce que selon moi, ça peut mettre à mal, ça c'est ma conviction, je vais formuler une question avec. Pourquoi j'ai eu peur ? Je pense que ça peut mettre à mal
une chose qui est fondamentale à la presse. Ma question, qui arrive tout de suite, est-ce que cette affaire de pluralité qu'apportent les médias en ligne, pluralité au niveau des opinions, est-ce que ça ne risque pas d'enlever le pouvoir précieux de censure à la presse? Parce que de toute façon, tout le monde n'est pas obligé d'un droit pour dire tout ça au vlé dans les médias. Et les médias en ligne, justement, permettent ça. Est-ce que le pouvoir de censure qui est fondamental et précieux à la presse, qui fait la presse toute salier, depuis le monde est monde, depuis la presse existe, est-ce que la presse ne risque pas de perdre son pouvoir de censure? Très 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 bonne question. La censure, il en aura toujours. Il en aura toujours. Dès qu'il existe du goût, il en aura toujours. Et il y a une censure douce et une censure dure. Moi, je parle de la censure dure. Vous parlez de goût, je peux toujours ne pas lire. Mm-hmm. Nedasson traite un sujet qui ne m'intéresse pas. Un sujet banal, par exemple. Je ne dis pas que tu traites. Le sujet est banal, ça ne m'intéresse pas, mais c'est sous mes yeux. Ça ne devrait pas être sous mes yeux. C'est ce que je suis en train de dire. Et, bon, je parle à des connaisseurs. L'un des éléments qu'on dit souvent en question en matière de traitement de l'information, c'est que le journaliste, il traite l'information en fonction de son feeling personnel. Mm-hmm. Et ce feeling personnel, tant que nous soyons encore des humains qui ont traité l'information, il a toujours passé en fonction de feeling personnel. Maintenant, dans l'offre informationnelle globale, sujet que nous qui pas jamais traité dans tel média, nous faisons le vide sujet, nous faisons le vide dans l'actualité. Et c'est ça qui est pluralité. Mais c'est toujours Ericsson qui a dirigé l'information dans Info Plus. Donc Ericsson a toujours un penchant pour telle catégorie, pour tel sujet, etc. Et après ça, c'est pendant 3 mois, après les médias, clairement, c'est sujet ça qui intéresse. Mais après l'autre média, tout que c'est la question des femmes, par exemple, qui a toujours retourné avec lui dans l'actualité. Et ils ont vu une faible. Question femme, non, parce que c'est offre informationnelle là justement. Autant de fois que sujet au traité avec autant de rapidité, célérité et au vin dans l'opinion publique là, il constitue en force. C'est ça qui fait nous parler de pluralité d'opinion. Il construit en opinion. Par exemple, un média qui a baillé l'information sur situation femme, violence sexuelle, violence conjugale, etc., qui écrit 2-3 articles sur lui par semaine. Dans 90 jours, il construit une opinion publique sur la question des femmes. Mm-hmm. Mais ça fait pluralité. Que vous-même qui êtes dans la politique, là, CPT, Gariconi, mm-hmm. etc., vous faites 4-5 articles pour sous ça par jour. Mm-hmm. Est-ce qu'on est capable de dire mais la en ligne fait plus sens à l'opinion publique? Exactement, je l'ai souligné au début. Parce qu'avec médias traditionnels, ce sont des opinions rendues publiques, c'est ça. Absolument. Bon Dieu dénoncé. Je suis absolument d'accord, mais là où le hic demeure pour moi, c'est. Non, mais il y a toujours la censure. Ma vienne sous question ça, s'il te plaît, et Kinsley. Ma vienne sous question ça. Censure a toujours existé. Parce que autant que souligner que ça fait pluralité d'opinions, mais autant aussi qu'il y a encore des sujets qui ne sont pas traités. Autant des catégories qui n'ont pas d'espace. Et médiatique dans l'espace public toujours gain de sujets qui étaient tabous gain de pas censuré pour autant pas censuré pour autant non mais non l'on vient garder le point de vue global les non censure censure c'est que la presse haïtienne n'en parle pas jusqu'à date. Au moment où je vous parle d'une censure voulue, une censure choisie par la presse. Par exemple, vous parlez de la thématique des femmes. Par exemple, qui a un média qui doit décider de la traiter, non, média, pardon, qui a décidé de la traiter un sujet, des sujets sous femme. Et puis, au bout de 2 semaines, 3 semaines, il crée une opinion publique sous thématique-là. Il est possible tout pour un bail qui est toxique. On groupe de médias qui a décidé de traiter des sujets sous des bails qui sont toxiques et on bat place dans l'opinion. Même pas me répondre à la question ça. Sous ça, me répondre à la question ça dans le débat. Moi, je dis que un inconvénient dans la question médias en ligne, c'est qu'ils travaillent au mépris des règles de déontologie et d'éthique. Oui. Si je dis que ils travaillent au mépris des règles de déontologie et d'éthique,
parce que ça n'a pas parlé de médias, on parle de médias en ligne qui influencent et la vie publique, on va parler de influenceurs. Parce que média, non, le travail du média, dans le cadre du sujet, ça m'a circonscrit, dans le sens que média, son organe qui a fait travailler en vertu de contraintes déontologiques et éthiques qui sont opposables à leurs membres, journalistes, rédacteurs qui n'ont et organiaux. Ça veut dire que si moi, je limite ça, je suis en circonscrit question média, parce que même pas quoi média, c'est influence. Tant qu'on influenceur, moi média comme mon organe qui fait influence, et si moi comme mon organe qui fait influence, ça veut dire que m'baille des limites éthiques et déontologiques. Non. Et ça fait toute la différence. La différence entre influenceurs qui gagnent sur réseaux sociaux et médias en ligne. Qui influenceur a cherché stream, a cherché views à un certain niveau, médias en ligne tout. Il y a cherché. Censure, est-ce que ma vous connaissez de qui censure que nous t'as vraiment parlé? Est-ce que c'est censuré yon moun comme si nous pas voulu parler dans les médias parce que l'elle parler c'est apologie violence li fait ou autre, ou bien c'est censure à travers parole que l'a dit? C'est censure à travers parole que l'a dit, m'a dit que algorithme a commencé à gérer ça sur les réseaux sociaux et tout. Moun à la fois moun et sujet. Bon, pour sujet, je pense que l'algorithme pratiquement géré ça. Parce que quand il y a un média en ligne, ou pas qu'à publier n'importe qui bagaille. Vous n'avez pas dit n'importe qui mot. Si nous permettons. Si nous permettons tout. Et ça me souligne à tout, je parle d'idée, je parle d'opinion. Opinion dans public, dans démocratie, opinion prend forme, elle est soutenable. Ça veut dire que une catégorie de monde. Et on quantité moun qui adhère avec opinion, mais sinon si c'est une opinion vague et qui concerne qu'on infirme partie de la population là, il pas qu'on opinion qui rentrer dans l'espace public là tout. On a parlé de démocratie, on a parlé de construction opinion publique, on a parlé de pluralité d'idées. C'est dans ce sens ça que Médiasson. Et moi remercie Godson pour intervention et moi senti que moi dans le bain. Et alors, si nous considérons que la presse ou bien les médias, ils ont ça que vous avez le pouvoir à travers l'information. Donc, l'information, dès que nous avons le pouvoir, nous avons ça que vous avez fragilité. Donc, le pouvoir, c'est une chose fragile. Et là, est-ce que nous sommes capables de prendre pouvoir ça qui c'est information pour n'a quitter que des monde que nous capable considérer en quelque sorte des amateurs pour y utiliser à des faits personnels si nous considérer que eh bien une bénéfice que média libre ni capable gagner c'est que li doit une alors mission c'est informer. Donc, information, est-ce que nous sommes capables de quitter des gens qui pas gain formation pour ça, des gens qui pas professionnel en quelque sorte? Comment vous pensez que journaliste lui-même, on dit que média en ligne, qui meilleur moyen qui capable de gagner pour permettre que eh bien gagner des efforts qui fait pour permettre que permettre que c'est des gens qui professionnels qui eh bien a prêté domaine information. Est-ce que le possible arriver vraiment? Est-ce que le possible c'est possible? Oui. Des trois, allez-y. La réponse est OK, la réponse est régulation. Des trois façons qu'on a fait que réguler question médias en ligne. On se dit et méthode façon privilégiée pour moi c'est en régulation étatique. Et même si je connais ça fait gros débat. Oui, on a parlé de la presse. La presse, par exemple, voulait que c'est l'État qui régule. Ça, c'est régulation de l'État. Il y a une régulation au niveau associatif, ça veut dire de associations corporatives et associations de presse qui ont même signé de accord de régulation entre eux. Mais j'aime dire, dans la question médias en ligne, c'est pratiquement c'est la primauté de l'individu sur sa volonté de s'associer. Et puis troisième élément, c'est que
ou gen moun ki konn fè media ki gen des shots ki impose il ak tout moun ki vle travay nan media. Gen trois façons ça ou ka réguler. Maintenant, vu la concurrence, vu les contraintes, vu et moyen tout parce que moun ki nan media li n'a pas gen moyen, m pa sûr que ou pral toujours kembe, m di m pa sûr ça ka arrivé. Ou ap toujours kembe en ligne droite. Si c'est ou même qui a fait autorégulation. Ça veut dire ou mettre chat, ou mettre code d'éthique pas ou mettre chat pour chaque journaliste ou et pour dire ou après dans ligne ça net. Moi font opinion, opinion pas maintenant c'est que par rapport à contrainte globalement, est-ce qu'on toujours gambé. Je pose la question. Mais est-ce que le pas important pour des efforts qui fait dans ce sens tout? C'est vrai que média en ligne n'a pas gain moyen, mais ça va veut dire pour autant que des médias en ligne qui pas gain moyen qui kembe un standard quand même. Donc pour qui ça et l'autre média en ligne yo même yo pas ta ka suivre. Sous première question conscient. Sous première question te poser me clairement dit que c'est régulation. Mais sous deuxième question, on pose l'autre problématique, peut-être Georges a invité sur ça, sur modèle économique pour les médias en Haïti. Je ne parle pas des médias en ligne, pour les médias. Ça, où est le modèle économique là? De quoi vivent les médias? Ça, c'est un sujet. Nous parlons de monétisation, son forme que les médias en ligne vivent. Mais après ça, côté ils vivent, pour négler dans la ville, la ville de Pétionville, la ville de chercher information. Et si gagne information en tout et maïgaté la parle maïgaté va chercher information et cetera son gaz non moto puis fond dans gagne moto côté jeune moto et cetera modèle économique média ou avec écrit 50 articles mais ou pas gagne sponsor ou des fois pas ta écrit mon écrit quand même quel modèle économique pour média ça veut dire que média aussi des organes si c'est des organes nous clair que yo doit gon on modèle économique qui clair qui transparent tout dans démocratie modèle économique pour toutes média la média traditionnel tout yo doit clair yo doit transparent parce que citoyen doit connaître média qui a une formule là qui gain lien éditorial li mais lien éditorial ça en fonction de telle ou telle chose parce que c'est tel modèle économique qui a développé et dans le contexte haïtien c'est trop vague pour dire c'est le modèle commercial. Il y a un commerce licite, il y a un commerce illicite. On nous fait Donc, moi, félicite Monsieur Godson pour l'intervention et ensuite pour la question que l'autre débatteur a posée. Vous avez souligné l'inconvénient, le déficit de crédibilité. Même pas quoi nous arriver dans niveau que population en pas fait média en ligne confiance encore. Ça fait me dire ça nous même qui dans centre-ville qui gain accès avec médias traditionnels etc. nous plus qu'à faire des cotations entre on fake news avec une vraie information. Côté un avantage je viens entrer nan inconvénient parce que média en ligne touche plus moun parce que pi fò moun gen téléphone. Donc moun ki nan zone reculée média en ligne plus joignent yo encore gen moun ki pa passe journée devant télévision ki pa passe journée à tande radio pourtant téléphone yo toujours nan men yo. Donc, moi pas quoi que nous arrivons dans un déficit de crédibilité. Parce que l'information m'a tombé sur le groupe WhatsApp, ou publié avec 10 groupes encore, tout le monde croit. Je n'ai pas dit faire crédible. Yo quoi? Yo tellement. Yo quoi information qui vient joindre, même si c'est une fake news, même si c'est une vraie information, yo quoi? Et dans une zone reculée, ça yo, si on ne pas de téléphone, le fait de bouche à oreille. Donc, qui fait que. Population bien la majorité population en poco en mesure pour yo faire différence entre on fait information ou bien pour on recule ça Joanne a dit très sérieux bon dis-nous un peu de mots un concept qui est éducation aux médias. OK, ça veut dire que nous avons une population qui pas trop éduquée aux médias. Ça veut dire que qui bon n'a pas de question de ligne éditoriale marque trop monde dans population. Oui, besoin de modèle économique caraïbe marque trop besoin de ça par exemple. Mais question éducation aux médias oui moi elle n'a pas dire
Mais ça me souligne, mais ça crée un déficit de crédibilité. Et il y a pour comprendre, un peu même exemple que je prends pour conseiller là tout à l'heure, c'est que une information qui atteint nos monde, pas veut dire que nous avons consommé l'information. Pas veut dire faire crédit à quelqu'un qui a l'information. Information atteint les réseaux sociaux, fait information. Bon, pas information, tout ça qui vient, rivière sous. Oui, mais c'est partagé. C'est partagé. C'est pas oublié. Vous n'avez pas partagé l'information. Pas oublié, c'est pas ça. Question est soulevée à d'autant plus important que il parlait de zones reculées. Médias en ligne, non. Il y a des médias en ligne qui ont fake news, pourtant ils jouent dans certaines crédibilités. Parce que les gens dans zones reculées, ça, ils pas gagné possibilité pour vivre à travers même des médias traditionnels. Et on regarde les médias sans cycle. Excusez-moi, ma illustré samedi. Prenons par exemple, moi, j'ai une famille qui en dehors. Comme si qui dans sud pays a gè de information vinn jwenn yo yo traumatisé pour moi qu'a vivre la ville tandis que moi même comme si information pas vrai mais eux même y a vivre en stress même on à l'étranger tout victime de ça. Oui non ça c'est problématique éducation aux médias. Et ça arrive tout bon, ça c'est pas seulement en Haïti, médias yo dominer la vie moun et plus moun a bien intérêt pour suivre médias moins que lui-même il forge opinion personnelle li gen jugeote sur média yo. Donc média yo ça fait média yo aidé dans faire propagande, média yo aidé dans sensibilisation de masse etc. Ça dit comme des organes parce que vous connaissez que média de masse en particulier ou bien média en ligne jodia yo capable influencer vie population. Mais lorsqu'il y a une population et pays d'Haïti a besoin plus moun ki éduqué aux médias pour comprendre que média informé en fonction de modèle économique libre exemple média informé en fonction de l'éditorial que le définit lui-même, il pas défini la voix comme citoyen, il définit lui-même et en fonction de l'intérêt tout court. Ça veut dire que média informé en fonction de l'intérêt. Maintenant même ça me veut nous avons toujours fait une étude sur qui comment population haïtienne croit ou pas non information qui veut joindre sous qui critère li croit. Moi ça qu'a fait objet d'une étude. Mais ce qui est clair, c'est que déficit de crédibilité a voulu dire que leur parole parlée ici a un endossement. Kensley Marseille et si on article, Kensley sont incognito. Mais George Allen vini dans la radio télévision Caraïbe, li parle en parole, li endosse média et li endosse personnalité, le coup facilement répertorié et joint. Ça fait crédit. Pas parce que ça qu'a dit ici a nécessairement plus vrai parce que ça que tu dis dans les médias en ligne non mais médias en ligne non ah et dans les médias en ligne et puis pour une bagarre qui fait déficit de crédibilité à n'a clair sur lui c'est autant que pullulement média yo yo tellement en pile ça veut dire et pas son effort plus pas bail mentir bail en vérité mais il y a cinq autres qui dit le contraire de ça le dire. Donc pas passion avec battre. C'est ça qui fait déficit de crédibilité. Ça existait vraiment. Soit dire c'est éducation aux médias. Par exemple, par un qui ailleurs États-Unis par exemple, leur putain d'information, ils ont pris tout ça n'importe youtubeur. Tout. Ils ne sont pas capables. Ou bien n'importe monde tout cas bon gain influenceur qui entre dans média tout cas parler tout ça veut dire le monde n'a fait en fonction de il va consacrer l'analyse, il va consacrer l'information, il va consacrer les commentaires et monde n'a fait une émission 2 heures dans 3 heures dans le fait il mêle tout ensemble qu'on a c'est ça monde n'a consommé il pas gain jugeote monde il consommer ça pas veut dire que c'est que monde manquer éduquer aux médias c'est il manquer éduquer aux médias. Et plus ou une population analphabète, plus que les médias a orienté le fait le salver. Erickson. Ouais, Godson. Moi, mon question, bon, tu vas répondre. Ok, question là, nous parlons de crédibilité, fiabilité, nous parlons de tout le problème, question déontologie, éthique. Question là concerne association. Qui est l'association? Oui, association journaliste, comme si qui n'en question média. Oui, HM, qui c'est ça? Rénalise. Là, on a évoqué la même qu'on a association. Qui ça existe? Qui ça représente? Qui ça représente l'association? Mon cher, qui ça représente? Il y a effort d'associer dans la catégorie ça dans la presse.
OK. Nous dire nous parler de eux, nous connaissons trois qui existent. Ça veut dire qu'ils ont au moins supporter ça. Mais on a monté tout dans le débat que le problème qui est avec l'association, c'est parce que la question n'est pas cernable à quel côté. La question médiane n'est pas cernable à quel côté. Ça veut dire que l'on fait association, on demande aux gens pour venir adhérer. Mais pour les gens adhérer, il faut adhérer à principe, il faut d'accord adhérer. Quand il y a l'heure où venir association ou exister, you know, l'autre a fait effort dans ce sens pas. Mais comparativement à la question, moi-même, c'est mon point de vue. Je pense que la question médiane en ligne a dépassé trois associations. Yeah. Parce que quand on a parlé, on a fait débat, ça, là, on a fait on. Ça veut dire que. Dans la démocratie, comme où il y a des groupes de pression, là, comment c'est que trois associations qui existent, ils sont porteurs de parole là. Mais, les gens dans l'association, on a fait des autres. Les parents dans l'association, on a fait des autres sous même catégorie que hier. Il vient affaiblir l'association. Bon. Et puis l'État tout pas bah, suffisamment d'encadrement. Parce que c'est ça qui fait bon bagage qui est reconnaissance d'utilité publique. Si l'État reconnaît d'utilité publique, parce que beaucoup de régulation pour question média en ligne, il reconnaît d'utilité publique l'association qui existe. Il dit de ou pas dans l'association ou pas bon on licence. Nous avons commencé là. Ou l'association c'est constituer tête comme des groupes de pression pour aider nous. Autorégulation de secteur. Mais si l'État n'a pas j'entre non sans ou non l'autre, ça veut dire que l'effort a toujours. Je vais tout profiter de votre question. Godson avocat m'a posé une question. Ça va empêcher nous de gagner une loi sur le numérique dans le moment Haïti. Volonté politique. Je vais dire que nous sommes capables, il faut que nous allions plus loin, mais qu'on y a. Volonté politique là, émission et par là doit servir de plaidoyer tout pour question de régulation. Okay. Moi-même, ça sont des bagages que je dis toujours depuis ma fin intervention publique. Question de régulation, et c'est ceci, c'est de la presse globalement. Parce que dérive dans les médias en ligne, dérive dans les médias traditionnels. Okay. Jodi à 8h du matin, mon abjoué, mon nom radio, mais qu'on s'attend, mon écrit texte sous mon et la dit salve. Donc, moi-même, je souhaitais que j'ai une régulation. Et si vous avez une régulation, vous avez une régulation pour le numérique là, mais vous avez une régulation pour corporation globalement. C'est un texte ancien, texte de loi qui vient sous question média, journalisme, analyse, c'est qui est ancien. C'est un actualisé. Bon, on va parler de média, rapidement, voilà. M'estimez que le travail, la main qui est faite d'une part, beaucoup côté et association aussi. Voilà, admettez que tu es capable. Un, et puis deuxièmement, nous disons que trois seulement, et travail nous dit que c'est incité pour que capable. Gain association et dans le pays, on a parlé de trois associations seulement. Imaginez, et gain un pléiade de médias en ligne dans tout département. Cherchez la besoin de médias en ligne, café la une, dans le grand soir, besoin de la tribune pour venir. Et puis, gain trois seulement, trouver ces standards. Ils disent liberté d'association. Oui, mais nous. On va choisir un tour, on va choisir. Voilà. Mais question, je vais venir, je vais commencer à poser. Question, non, inconvénient, on ne peut pas soulever question internet et électricité en Haïti. Est-ce que, selon vous, il n'y a pas fait partie de éléments capables de considérer comme inconvénient pour les médias en ligne en Haïti? Non, et ça fait que je souligner ça parce que je suis parti pris. Si on parle de question des médias en ligne, nous sommes d'accord, ce sont des choses qui sont faites en ligne, donc qui existent déjà. Et peut-être si il y a accès, si tout plus de la population a accès à une connexion internet fiable à une électricité, n'a pas plus monde qui suivent médias en ligne. Mais si m'a parlé donc un concept qui est les médias en ligne, ça veut dire mon budget pour parti pris que haïtiens déjà sur internet et y a absolument non, non, pas parler de câble qui même depuis ouais comme si pour monde qui propriétaire ou bien monde qui gagne médias en ligne inconvénient, ça sont sous inconvénients que liés pour eux même tout. Par exemple, ou gagne en contenu ou travail li, sa rédaction ou bien équipe ou travail li. Et puis, ou arrive à un moment donné, pendant que vous avez un plan sous téléphone ou bien avec un fournisseur internet, bloc, vous n'avez pas qu'à marcher. Non, donc, entrave, ça vient de sous moi-même qui a un sujet qui me déprogramme, toute une programmation qui est capable de craser. Non, même. C'est ça, dit juste la parler là. Non, 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 Médiasson. Ok, et est-ce que l'IPATA est important, Godson, pour les médias, même médias en ligne, alors, pour être capable d'essayer de créer de contenu qui est plus intéressant? C'est-à-dire, ce n'est pas seulement bas information, donc tout médias n'ont pas information, mais est-ce que l'IPATA est nécessaire, par exemple, pour gagner des médias qui
basé des qui a traité des sujets tant par exemple sujet de corruption et essayer faire mon yo qui rôle l'état essayer plus former mon yo genre comme dit dans chipper des dossiers oui, oui. Aller de des dossiers au lieu que nous rester dans l'actualité factuelle là. Non mais me poser ces questions ça dans élément d'inconvénient. Moi dit que médias en ligne même si en pile même si yo touche en pile monde dans population à un moment et à un moment que action a posé mais yo pas prioriser la qualité. Qu'est-ce que ça veut dire ou qu'on regarde puis pousser sous bas la base, comment on peut mesurer l'impact en médium en ligne? Si on connaît des techniques pour mesurer l'impact média traditionnel, mais comment on peut mesurer l'impact en médium en ligne? Et l'impact là, il y a une façon de mesurer l'impact média en ligne, là, c'est Internet a même qui baoule. Ça veut dire que les bons statistiques et sous contrôle. Deuxième élément, c'est que l'impact li tout dans l'opinion publique qui fait que je calme, car forge un sujet pour nous venir parler de li tout. Ça veut dire un sujet d'intérêt. Et moi, c'est ces deux éléments qui façon qu'on cap et mesurer l'impact là. Et puis de toute façon, qu'on est aujourd'hui à ou pas parler de médias en Haïti pour prendre les médias traditionnels seulement et ou pas prendre médias en ligne parce que ils existaient et on parle de médium en ligne par exemple métronome par exemple tel balai par exemple info plus HIP mais influence métronome non influence métronome n'existe tout dans la façon qu'on ouais information répétée sur bonne autre média c'est confiance abonnement mon cap tout ça mon cap suivi etc. Bon question et m'a posé n'a pas mettre parce que ici je ne pose pas de questions, c'est vous qui posez les questions. Et pourquoi la intéressé Kensley tout parce que nous-mêmes nous c'est deux professionnels de la radio, là ils ont commencé non puis grand monde passé dans ça. Oui. C'est deux professionnels de la radio, c'est-à-dire notre à l'école de journalisme et de communication, nous t'ai voulu le faire radio et puis bon et nous pas fin trop l'aide, nous nous retrouvons après télé, etc. etc. Ah oui, à la même école, au Cobratel, pour ne pas le dire. Et est-ce que médias en ligne, ou tout au moins numérique là, internet, pas vine tuer un petit peu l'idée radio? Mon Dieu, le map fait radio, pas besoin de même. La magie de la radio. Le map fait radio, pas besoin de même. Gounia Patrick Moussignac prend, il mettait sur Facebook là. Je pour anecdote, de bonne émission de qu'on fait. Dans ce coup, on a chuté les regards sur ma culturelle. On a fait émission. Nous dormons dans la radio, on a chuté mis à tout l'eau. On a chuté mis à tout l'eau. Est-ce que Internet là va tuer un peu l'essence de la radio? Et c'est migration. Et Yonaba nous dit que médias en ligne, parce que nous avons fait et décantation ça, c'est que on a parlé de médias en ligne, on a parlé de radio-télévision Caraïbe. Il doit aller au sens du développement des nouvelles technologies de l'information et de la communication. Ça veut dire que l'autre rythme traditionnel, là, on sait que les bagailles, on dit qu'il y a pendant 10 ans. Mais studio, ça, dans 5 ans, c'est pas plus même. Parce que numérique là, nouvelle technologie information et communication exige ou l'autre bagage. Faut adapter. Non mais gens qui fait radio comme mérite dans l'ombre tout. Gens qui fait radio à tout tempérament, c'est-à-dire que radio est pas vieux. Non mais radio jodi a suivre migration. C'est pas seulement en Haïti, c'est partout. Non, est-ce que c'est pas une mauvaise chose? C'est le sens de ma question. Non mais mauvaise ou bonne chose. Parce que la radio n'est pas la télévision. C'est l'autre concept, genre c'est modernité. On entre dans la modernité que l'on veut ou non. Évolution. Ça veut dire que nous entrons dans ça et son monde a fait radio, on voulait faire radio pour pas jamais de caméra sur, donc pas possible. Plus possible en Haïti, oui. Aujourd'hui. Mais question n'a pas de dernière question, non? Mais une minute si nous voulons poser une question. Pas une question alors. Oui. C'est justement même temps via la même ligne avec frère moi, confrère moi bien sûr. Il t'a demandé pour nous produire d'autres choses. Moi sincèrement m'attache à un média qui a dit c'est entretien de mail. Nous produit des contenus, nous qui dit que monde qui entre vers nous c'est des monde qui n'a niveau parce que nous pas aller vers comme ces sujets tout le monde traité.
facilité. Voilà, les gens nous allons comme ça, faut que nous nous un ça de minimum parce que l'attendre il y a bagage qui a fait Bruno là parce que lui-même nous-même nous parler comme ça. Donc guide média qui offre au certes, mais faut que nous nous li quand dit li deux même côté avec nous pour que capable adhérer, comprendre. Média victime de certains médias victimes de éducation populaire. C'est une bataille, moi c'est moi ça moi-même éducation peuple là parce que autant que nous pas éduquer peuple là ou peuple là pas éduqué, n'a toujours fait sorte de débat ça ici. OK. Nous toujours font tour de table et Salia. Oui oui. Bon, on avantage, on inconvénient que peut-être Godson pas dit là ou même où vous levez. Un avantage, je pense avantage selon moi-même, c'est l'information plus rapide, je pense que c'est l'idée d'île. Inconvénient toujours encore pour le problème d'éducation. Okay. Bon, à moins que si on le bail passer dans la tête, Mais le sort pas plein d'issue. avantage qui vient dans la tête tout de suite, mais on a un inconvénient que je souligne là. Je peur que nous arrivions un jour dans la presse là, on va avoir une capacité encore pour nous censurer et bien, qui est toxique, qui n'a pas mérité d'arriver sur ouais. Acceptable. Joanne. Il y a un avantage, je vais aller à contresens. C'est que les médias et en ligne permettent plus de parler. L'opinion de monde arrive plus loin. L'État ou bien responsable est en déo. Et pour inconvénient, moi, je vois que nous sommes plus fragiles. Institutions plus fragiles avec médias en ligne. Donc, on attaque n'importe qui. N'importe institution et ça prend temps ou même pour répondre ou bien attaque là arrive plus loin que justification que réponse ou vle bay là et par rapport à longtemps dans médias traditionnels. OK, bon, malheureusement ça l'a l'été prend avant. Pour réfléchir. Pour avantage parce qu'il y a deux avantages. Donc médias li nous permettent que nous interagissons, interaction en fait, par exemple, l'année dernière, nous avons commenté donc sur Facebook ou bien sur WhatsApp, interaction en fait. Et en plus, tout le monde va d'accord avec nous, avantage qui gagne tout dans les médias en ligne, non, ou besoin d'un budget qui est moins élevé pour faire les médias en ligne comme les médias traditionnels. Et puis, pour inconvénient qui est capable de gagner, c'est peut-être une menace qui est plus directe. Pour exemple, un média dernièrement qui traitait un dossier que Muscadin t'a gagné un problème avec madame Nick, etc. Okay. Donc média a traité et puis ou alors commenté ouais mon dieu menacé directement on va ajouter ça arrive pas sinon voilà donc attaque personnelle moun qui proche moun qui connaît nous qu'a dit nous c'est gang etc. Voilà menace directe sérieusement hein donc ça c'est un inconvénient pour comme si vous venez faire attaque plus direct ou plus car elle l'autre si était média traditionnel là donc nous faire commenter le bail mais là où elle va connu numéro va page Facebook et cetera et une avantage c'est les médias en ligne même au côté ils permettent que eh bien tout le monde c'est-à-dire que ce soit monde qui porte au prince ou bien monde qui dans zone qui plus reculée il y a accès avec même information et ça qui peut être différent dans le temps côté que par exemple on dit yon radio qui dans capitale là il pas couvrir vraiment tout département yo. Mais là, ils permettent que tout le monde, par exemple, même information que moi-même qui n'a pas tout prêt à consommer, c'est les mêmes qui Jérémy, qui la Tibonite. Je vais regarder si nous n'avons pas dit le bon avantage dans tel point là. Comme dit lui. Et puis, on a tout le table à vous. Comme dit lui. Et puis, je pense que comme inconvénient, médias ligne viennent permettre que et des informations, ils viennent contribuer dans des informations et permettre que intox yo al pi loin. Si, par exemple, longtemps peut-être si on a une information qui n'est pas vérifiée, donc c'est seulement mon capteur des radios qui a capté. Mais quand il y a si le bail on fake news, donc la prêté sur internet là, donc ça qui arrive au monde après deux semaines, là consommer information ça deux semaines après. Non, mais faut me corroborer. Bon, il y a comme du. Il y a une information de midi 40, il y a 40 minutes, il y a 2h04, mais tel bagage qui a passé Pétionville. Il y a 2h04. Il y a des gens qui ont vu l'information sur le téléphone à 5h ou à 5h. Oui, 2h04. Ok, moi, c'est avantage ma base, c'est un canal qui vient faciliter la population à communiquer plus rapide. L'autre bagage, c'est pour les jeunes. Ah!
Voilà, voilà. Oui, intégrer, vous pouvez faire de l'argent. Difficulté de l'argent. Difficulté de l'argent. Question comme tout. Radio, quand même, au plus tout. Oui, oui, oui. J'ose tout. Vous pouvez demander au pays stage, non? Non, 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 demande au plus là. Madame de bagage, madame de bagage. Vous avez couru pour professionnalisme que vous n'avez pas trop gagné. Par contre, c'est que son choix voulu. Ok, mais l'inconvénient d'avoir le bail allé, c'est que moi, je trouve que j'ai un manque de rigueur, bon côté. Média. C'est la même chose. C'est une obligation de bail tête. Même si c'est Goodson comme ça. Et me dit ça clairement, je joue comme si passe d'abord une information qui est vraiment fausse, qui ok, j'aime bien dire langage là, vous aidez yo. Ma bye vague, m'a dit wall moyen, moi je suis là dedans. Parce que c'est manque de rigueur ça qui gagne, nous devons pencher sur lui. Voilà, Godson, toi même qui a mis fin à l'émission. Je pense que c'est notre avantage qui vous venez nous dire, au fait, nous voyons là, peut-être nous ne pouvons pas dire le même mot. L'urgence aujourd'hui dans la presse, c'est que nous devons avoir une presse qui est plus professionnelle. Le combat de 1986, c'est un combat pour une presse qui a la liberté, qui a gourmet pour la liberté d'expression, etc. Je ne dis pas que ce combat se termine quelque part, mais même dit que aujourd'hui, nous avons un effort de professionnalisation. Et si nous avons l'autre catégorie de médias, que les médias en ligne, il faut nous aider à professionnaliser la vie de la presse en Haïti aujourd'hui. Et ça doit passer par la régulation. Et je pense que c'est l'État qui doit faire régulation dans la question des médias en ligne. Et peut-être dans 2-3 ans, nous avons de meilleurs médias en ligne. Dans le sens que les médias qui ne diffusent qu'en ligne, parce que tous les médias pratiquement en ligne. Ou pas pour parler à l'État. Justement, pour tirer sur net d'alarme. Pour l'État, comprendre que ou pas capable fonctionner dans le pays que Gombaga qui est autant important que ces médias. Et pour ou lister à la population, aux citoyens, comme ça, ils dessinent ce qu'ils veulent des médias. Bon, c'est une prise en charge qui doit être faite au niveau de l'État, et c'est ça. Et conclusion pour Pomio. Merci, Georges, parce que tu es invité. J'espère que je toujours venu oui. Partager. Et merci surtout pour qualité et débatteur aujourd'hui. Absolument, absolument. Vous avez suivi, mesdames, messieurs, Agora sur Radio-Télévision Caraïbes. Le débat était agité sur autour de la question médias en ligne en Haïti, avantages et inconvénients. Bien à vous, à mercredi.